s'agit d'un patient qui subit une chimiothérapie et qui présente un œdème du membre supérieur droit. En effet, l'échodoppler montre une thrombose de la veine jugulaire externe avec la présence de ce cathéter de chimio sur site implantable. On voit bien le cathéter et on voit la thrombose veineuse autour. Voilà par coupe, petit axe, la veine jugulaire avec la thrombose veineuse et le cathéter au niveau de cette veine. Cette image, c'est la veine sous-clavière droite qui est complètement thrombosée et on voit apparaître à un moment le cathéter. Et là, on voit la veine thrombosée avec l'artère en dessous. Donc la veine sous-clavière droite avec l'artère sous-clavière droite en dessous qui est perméable. Un patient présente une extension vers les veines humérales. On voit au milieu l'artère humérale en bleu et la thrombose veineuse au niveau de deux artères, au niveau de deux veines qui accompagnent l'artère. Voilà une thrombose veineuse de deux côtés de l'artère humérale.